Salut tout le monde, c'est Gotchikon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un gameplay d'un jeu qui s'appelle Punch Quest. Je vous mettrai le lien pour l'installer dans la description. Bref, on va commencer. Je vais régler les paramètres. Ouais, je pense que ça suffit là. Et voilà. On va voir comment ça marche. Ouais, ça a l'air pas mal. Allez, je vais changer un peu. Voilà, là c'est mieux. Ouais, c'est un jeu que je connais depuis longtemps. Il est très bien, je vous conseille fortement. Ouais, là c'est un œuf. Dans le deck, quand vous avez un animal, il a qu'une vie. Pour le dinosaure, c'est éviter les météorites et les piques. Alors là c'est le super move, c'est quand votre mana elle est pleine. Celui-là c'est quand vous avez tué un ennemi, il est en feu. Et quand il va sur un ennemi, ça lui enlève un de vie. Allez, nique. Okay. Pour bloquer, il faut appuyer sur les deux touches en même temps. Pour avoir plus de skill, il faut aller au shop. Vous voyez? Ah, là c'est un boss. Il y a trois sortes de boss. Une sorte de robot mécanisé, enfin, avec un pont. Un cyclope et un crâne volant. On vous verra par jamais. Vous voyez, il est pas mal le jeu. Ah. Oh là là, il y a les bouts. Ça c'est quand vous apparaissez, vous avez un objet directement. Ça c'est vous avez plus d'ennemis. Ça vous avez une double vie. Et là, vous commencez directement de nouveau. Vous êtes très cher. Voilà, il y a tout ça. Ça. Après aussi j'ai trouvé un hack, mais je vous le mettrai dans la description. Allez, c'était Gotchikorn, bye.